On tombe contre des hommes lézards. Voyons ce que ça peut donner. Heureusement, on a notre tacle châtaigne qui est dispo. Tim, je ne le connais pas. Salutations Pricope, salutations le panda, comment vous allez? Alors voyons cette équipe. Alors j'ai pas eu le temps de voir qui y avait, tout simplement parce que je pense qu'on doit avoir exactement la MTV. C'est lui qui va décider. Voyons, qu'est-ce qu'il a? Il a décidé de prendre châtaigne avant blocage sur les lézards. Je suis pas fan, mais bon. Peut-être que ça peut marcher vu qu'on n'est que 11 sur le terrain. On va évidemment pas exposer notre tacle châtaigne. Donc j'ai pas pu voir ses résultats, malheureusement. Donc il nous propose de nous mettre en défense. Ce qu'on va faire, alors j'aime pas du tout ce terrain. Je le trouve très très beau. Mais je trouve que c'est pas du tout visible. On voit pas bien du tout. On va se mettre comme ça. Comment on va pouvoir rivaliser face à des lézards? C'est jamais une bonne chose de tomber contre des lézards. Ça fait jamais plaisir. En première ligne, on a mis un joueur avec 0 et un joueur avec 0. C'est bon, 0, 2 et 0. Ça, c'est bon aussi. Salutations, oulala, oups, comment tu vas? Ouais, c'est bien dommage que je puisse pas voir ses résultats. J'aurais bien voulu savoir où il en était. Comme je vous le disais, c'est le problème d'avoir exactement la MTV. On passe directement à la phase de prime de match. Et on peut pas aller regarder ni le SR, ni les résultats. Allez, on y va. On va partir comme ça, on met l'ogre en première ligne. Je sais que c'est un peu risqué, mais entre nous, l'ogre en première ligne, il a de quoi mieux rivaliser que les autres. Donc on va s'y coller. Salutations Grand H, comment tu vas? Bon alors Grand H, en plein entraînement pour le boost ball. Nous on s'est pas encore entraîné. Faudrait qu'on le fasse, mais on s'est pas du tout entraîné. Ouais, je vous disais, je suis pas fan de mettre châtaigne avant blocage. Hein. Les lézards ont vraiment besoin de se stabiliser. Avec 2 relances, aucun bloqueur. On va quand même le rappeler, hein, là, il y a 0 bloqueur. Il y a juste une châtaigne, ce qui est pas mal, hein, vous allez me dire. Mais je préfère faire tomber que d'avoir châtaigne. Parce que châtaigne, tant que vous ne faites pas tomber, eh bien, ça n'apporte rien. Il met son Croxy sur la droite. Il a bien les 6 Horus, donc Croxy sur la droite. Il va tenter de blitzer au Croxy. Ça va être ça l'idée, peut-être à 3D, en mettant un lézard là, un lézard là et blitzer comme ça. Alors j'y crois pas trop. Alors malheureusement il a le caméléon qui va pouvoir se déplacer. Il est quand même très bien ce caméléon. Hein. Une nouvelle fois je le dis, hein, en prendre un c'est vraiment sympa. En prendre 2, je pense que ça n'a pas d'intérêt parce que on perd en vitesse. Par contre, le fait de se déplacer... solide défense. Solide défense. Il tape. Il tape, il a 2D. Si j'en mets un là, il tape. Il tape. Il tape, il a 2D. Donc je lui donne un cadeau. Donc je vais pas faire ça. Par contre, je suis assez surpris de voir ces skins si proches ici. Donc, on va se décaler par là. On va le forcer à blitzer ce joueur, par exemple. On va bouger lui. En fait, on va bouger tous ces joueurs-là. C'est une case, ça, ou pas? 1, 2, 3, 4, oui. On va en mettre un là. On va en mettre un là. En fait, l'idée, c'est qu'il puisse pas scotcher mes blitzers avec, avec son joueur, là. Avec son Croxy. Comme ça, il est obligé de blitzer celui-là. Ensuite, on laisse celui-là ici. Lui, on le décale par là. Et là, il peut pas venir me coller ces joueurs-là. C'est plutôt intéressant pour moi. Lui, j'ai bien envie de le décaler, mais pas tant. Parce que c'est mon blitzer tackle, donc je vais le laisser là. Il est protégé. C'est lui qui va aller chasser les skinks. Ok. Il a commencé par la châtaigne qui ne touche pas. Ça me va plutôt bien. Maintenant, il va faire 2 dés là. Ou là. Et il aura 2 dés là. Ok, ça ne touche pas. Toujours bien. Tu joues quoi, Gandache, comme escouade? Comme faction? Ok, il a touché l'ogre. Ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. Il n'y a pas châtaigne. Il va peut-être l'agresser. Hein, on sait jamais. Hein. Très bien. Et maintenant, le blitz va être par là, je pense. Hein. Peut-être sur lui? Pour venir se coller par là. Alors le blitz n'est pas avec le Croxy, ça me surprend. Il va peut-être blitzer comme ça. Je l'ai peut-être mis trop proche. Hein. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pour... Ouais bah voilà ce que je vous disais, hein. Est-ce qu'il va relancer ça? C'était pour pouvoir le retaper une deuxième fois s'il le faisait pas tomber. Vous avez pris que des équipes de bourrins, c'est ça Gandache? Laisse-moi deviner. Des orques, des élus, des nains, des norgueules, ce genre de choses. Donc il a déjà grillé une première relance. Moi je suis vraiment pas fan de commencer par des compétences de bourrin sur les Saurus. Hein. C'est un choix, c'est un choix. Moi c'est pas mon type de jeu, mais c'est un choix. Bon ça c'est pas mal par contre, hein. Il ramasse au skink normal et il a raison. Par contre s'il avait raté le ramassage ici, est-ce qu'il aurait grillé sa dernière relance? S'il n'avait pas grillé sa dernière relance, autant vous dire que j'aurais mis la pression sur les skinks. Là, évidemment, ça va être plus dur hein, d'aller mettre la pression sur les skinks. Bon, ici, lui, on va pas le relever, hein, on le voit tout de suite. Ok. Alors, on va commencer par relever l'ogre. Très bien. L'ogre debout, c'est toujours une bonne chose de prise. On scotche un Saurus au prix d'un ogre, certes, mais l'ogre tapera sûrement au prochain tour. Ici, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un blitz avec le châtaigne, ici. On fait pas tomber, donc on le met loin. On reste. On repart en arrière. Par là, c'est pas mal. On va scotcher par ici. Parce que là, il peut pas vraiment me blitzer comme ça et me renvoyer là. On va se mettre par là. Histoire qu'il commence pas à avancer trop. Là, lui, on va le laisser là. Hein. Notre 3/4, il est en plein milieu. Il embête le monde. Il a décidé de prendre un côté. Ça va être normalement plus facile à défendre. Donc, c'est lui qui va arriver là. Mais le mettre là, ça suffit, en fait. Hein. Ça suffit largement, même. On peut se mettre par ici. On va essayer de ne pas se faire scotcher non plus, notre garde. Parce que le garde peut être intéressant. On va rester là, il bouge de 7, donc il peut vite revenir, c'est pas un souci. Et on va rester comme ça. Alors il va peut-être taper mon ogre, mais c'est pas mal parce que s'il tape l'ogre, ça veut dire qu'il ramène 2 joueurs. Et moi ça me dérange pas, taper un ogre ici avec un Saurus standard, ça me dérange absolument pas. Et on va rester comme ça. Ah d'accord Gandache. Vous êtes ce type de joueur là. Et toi t'es avec qui? T'es dans quelle équipe? L'équipe de Vague? Lastico? Ouais, bah il a fait ce que je disais, c'est assez surprenant. Salutations Kiruax, comment tu vas? Est-ce que ça se passe bien? Bah écoute Kiruax, ça vient de démarrer. Donc te dire si ça se passe bien, je ne sais pas. Salutations Brikit, comment vas-tu? Il l'a fait ici, donc on va peut-être avoir un blitz enfin sur un skink. Il faudra que l'ogre se relève par contre. D'accord, Vague, Lastico et fire depth. Salutations free people, comment vas-tu? Ouais, en partie, Kiruax. Alors déjà, le midi, je mets pas la cam parce que comme je suis en post-déj, on sait jamais. Je peux avoir un appel, ça peut arriver. Donc je préfère ne pas avoir la cam. Et ensuite, avec la chaleur, effectivement, je suis en tenue plus légère, on va dire. Ok, son Croxy est stupide, ça c'est pas mal du tout, dites-moi. Le Croxy stupide, maintenant il va y avoir un blitz avec le châtaigne. Salutations Damzou, comment vas-tu? Oui, alors l'ogre a pris 2 claques, hein, et en même temps, il a la force pour le mettre au sol assez facilement. Hein. On va relever l'ogre ici. On va relever lui aussi. On va relever l'ogre. On va tenter de relever l'ogre. Parfait ça. Parfait. Je dis parfait parce qu'en fait je vais pouvoir avoir un blitz sur un skink. Depuis que je l'attends. Le blitz sur le skink. On va rester comme ça. Toi tu vas revenir par là. Toi tu vas te décaler par là. Toi tu vas t'approcher par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi ça me plaît bien ça, dans l'esprit. D'aller choper un skink si possible. Ça c'est parfait. On reste. On passe pas l'armure malheureusement, ça c'est un peu dommage. On va faire là. Il va peut-être me blitzer mon chat tentacle. Auquel cas on verra comment on gère ça. Là ce qui est bien c'est qu'il peut pas pour l'instant taper lui à 2D, il faudra qu'il amène un support. Ce qui m'embête par contre, c'est que s'il amène un support et qu'il tape ici, bah, il va libérer son Saurus. Enfin, je pourrais peut-être replacer mon ogre. Hein. Mon ogre complètement excentré, c'est peut-être pas la meilleure idée. Salutations Charcrudi, comment tu vas? Ouais, alors ce que je disais, le terrain est très très beau. Mais par contre, je trouve pas du tout lisible. Hop, il y a toujours lui ici, hein. Il faut pas oublier. Il y a toujours lui. J'ai blitzé. Est-ce que j'ai envie de faire un GFI? Ouais, j'ai envie de faire un GFI là. Alors pourquoi? Pour éviter un blitz ici là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là il est maintenant obligé de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il ne pourra pas aller plus loin. Donc ça me va. Et il ne pourra pas me poursuivre aussi. Parce que sinon il va certainement se coller à l'ogre. Il n'aura peut-être pas envie. Il va sûrement vouloir blitzer avec son châtaigne encore. On est bien comme ça, je pense. On a toujours notre 3/4 là en plein milieu qui l'empêche de progresser trop facilement. C'est plutôt pas mal, il va peut-être devoir se recentrer. Dommage, hein, il m'a laissé un skink et la châtaigne n'a pas fait l'effet escompté. C'est ça qui relaxe. Pas de soucis, Brikit, t'inquiète, hein. Alors là il va faire le 2D. Il va peut-être amener ce joueur là. Il va peut-être me blitzer avec son Saurus ici. D'accord, il décide de... Ouais, de repartir de l'autre côté. Je trouve ça assez logique. Salutations Lady, comment tu vas? Je pense que ça va être ça, hein. Un Saurus là. Tape et blitz sur mon tacle châtaigne certainement. Ça m'amuserait pas, hein. Bon, il me reste encore des bloqueurs, hein, pour aller chercher les skinks. Mais franchement, le tacle châtaigne, c'est le joueur dont j'ai besoin. Oui, alors Damzou, la tactique de l'essuie-glace, on la connaît, mais face à des humains, ça devrait aller. Non, il tente le 1D, sérieusement. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? T'as plus qu'une relance, tu tentes le 1D. Pourquoi t'amènes pas un joueur là? C'est très étrange, ça. Très, très étrange. Il fallait amener un joueur là. Ah non, parce qu'après, il pouvait pas passer pour blitzer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, alors, je suis pas emballé quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il pourrait même blitzer avec son châtaigne, hein. Il bouge ce joueur-là, là il a fait un GFI. Il bouge ce joueur-là, il n'a pas de GFI à faire, je crois. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est moi. Il grille sa dernière relance sur ça. Hein. Pour être sûr d'avoir une châtaigne sur le tacle châtaigne. Je suis absolument pas fan, évidemment. Vous doutez bien. Bon, si ça passe, on dira que c'est une bonne idée. Mais si ça passe pas, on va le sauver. On va le garder vivant, lui. On en a besoin, bien sûr. On a besoin du tacle châtaigne. On peut pas se permettre de jouer une mi-temps sans lui et sans être sûr en plus qu'il revienne. Donc là, on est obligé de prendre le tacle, l'apothicaire. Il va jouer sans relance maintenant. Donc autant vous dire que là, il risque d'avoir certains problèmes. Ok. Il vient essayer de me poser problème parce qu'il va peut-être agresser le châtaigne. Ouais, Damsou, mais tenter une relance ici sans blocage. T'as une chance sur 9 de faire un turnover derrière. Et ça, c'est pas bon du tout. Allez, l'ogre, te rate pas ici. Hein. Ça, c'est très bien. Je pense que là, maintenant, on va mettre la pression. Toi, on peut te relever maintenant. Ça scotche un Saurus. Un Saurus pour un 3/4, par contre, je prends. Hein. On va blitzer là. Et on va aller protéger notre tacleur. Le garde ici, je trouve que c'est pas mal. Il pourra taper l'ogre à 2D. Il pourra peut-être blitzer ici. Il va peut-être essayer de mettre tout en œuvre pour agresser le tacleur. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Tant il me met par là. Alors s'il part à droite, tant pis. Hein. Tant pis. Moi je vais essayer de le faire marquer vite. Hein. Tu vas la regretter ta dernière relance, je pense. Hein. Trois, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et blitz sur le porteur. Hein. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, blitz sur le porteur. On tapera ici ensuite avec l'ogre. On va essayer de taper le châtaigne. Enfin, la châtaigne. Je sais pas comment on dit. Le châtaigne, la châtaigne. On va le mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, c'est bien. Je vais le mettre là et je vais rester. Je reste en fait pour avoir un seul joueur. Sur le Croxy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec un bloqueur, c'est pas mal. Hein. Avec un bloqueur, c'est pas mal du tout. Ok. Est-ce que je fais le GFI ici? J'aime bien le GFI. Hein. Ouais, je vais le relancer le GFI. Ce serait dommage. Ça aurait été dommage de ne pas le prendre ça. J'ai bien envie de me mettre là. On va se mettre là. On va tenter le blocage avec... Ah mais oui, mais Bigadin. Je peux pas tenter le blocage là. Là, je pense que ça, c'est pas mal. Ou là. Ça, c'est pas mal. Ça permet éventuellement d'avoir un 2D sur le châtaigne. Sauf que si je fais ça et que je fais pas tomber... Non, je vais le mettre là. Parce que si je fais ça et que je fais pas tomber... Ben, lui reste quand même coincé. Ouais, voilà. C'est mieux, je pense. On va poursuivre. Je vais pas faire un foncé, par contre. Hein. Mais on va remettre en position notre tacleur. Notre tacleur, s'il pouvait venir par là, ça serait pas mal, voyons. Qui est pris là? Là, tous les Saurus sont pris. Donc ça me va. On pourrait se mettre par là. Trois, 4, 5, 6, 7, 8. GFI ici. Ah, j'ai pas envie de griller une deuxième relance maintenant. Et franchement... Là, il lève 4, 5, 6. Il a un 1D seulement. Non, on va le remettre par là, plutôt, le tacleur. Le tacleur, j'ai pas envie de le risquer. Salutations, Vargas. Comment tu vas? Est-ce que ce serait fun de créer une compétence qui dissimule les compétences apprises du joueur? Non, Kiruax. Alors, j'aime bien, parce qu'à chaque fois, t'as des propositions assez amusantes. Mais en fait, il faut pas oublier quand même que ça reste un jeu un peu de stratégie. Donc il faut connaître un peu tes forces, tes faiblesses, les forces et faiblesses de l'adversaire pour savoir quoi faire avec. Non, ok. Maintenant il a un 2D là, mais c'est pas un 2D qui va tant lui apporter que ça. Hein. Bon, ça fait tomber l'ogre, hein, vous me direz. Mais c'est pas un 2D qui va tant l'intéresser. En plus, il le met sur la châtaigne. Je peux emballer parce que je pense que je l'aurais plutôt mis là et j'aurais peut-être poursuivi pour le mettre sur un Saurus standard. Là, je vais bloquer sa châtaigne. Ok, donc il va avoir 2 dés ici. Oh sérieux, il touche le blodger direct. Ah, c'était exactement ce que je souhaitais pas, vous doutez bien. Il essaie de contrôler. Ouais, j'ai pas allé sur la balle. Hein. On va aller là. Ah, je suis dégoûté qu'il touche le blodger direct. Surtout qu'il a plus de relance. Bon, au moins le blodger a tenu. Mais il a plus de relance, il le touche direct, c'est un peu dommage. Après, il y a encore le ramassage. Bon, maintenant, il va d'abord... Avant le ramassage, je pense qu'il va quand même faire un blocage ici. Je suis assez surpris, par contre, parce qu'il aurait pu avoir un 3D sur le receveur avec son Saurus. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça tient, d'autant plus que ça va le laisser dans une zone convenable ici, là. Bon, ça touche, hein. Il a bien touché sur ce tour-là. Sur ce tour-là, il a tombé tout le monde, à part le lanceur, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va repartir en arrière, très certainement. Le truc, c'est qu'il a encore un ramassage 3+, à faire. Hein. Le ramassage 3+, il n'est pas fait encore. Hein. Là, j'ai un 2D avec un bloqueur. Waouh. Tour monstrueux, donc. Ce qu'on disait, ça arrive. Il y a des tours monstrueux et ça arrive. On peut pas faire grand chose dans ces cas-là. Ok. Ok, alors attention, au bout d'un moment, il pourra faire très certainement un surf, mais c'est pas encore le cas. Là, on a un 2D, je pense qu'on va le prendre direct. C'est pas bon ça. On a eu un très bon tour. Enfin, non, on n'a pas eu un très bon tour. Il n'a pas bien joué. Donc là, on va lui laisser le Croxy. J'aurais peut-être pas dû poursuivre ici. J'ai fait une erreur, je pense. Ça me donnait un 2D en relevant lui. Ce qui était plutôt pas mal. Là, on peut relever. On va venir là, on va faire ça, on va blitzer là. Malheureusement, toujours pas d'armure, ça c'est bien dommage. On va aller marquer ce Saurus, celui-là même. On va le mettre là, ouais. La question que je me pose ici, c'est est-ce que je relève? Ouais, j'aurais pas dû poursuivre là, vraiment. De toute façon, le blitz va être sur mon lanceur maintenant. Je lui ai donné, ça. Moi, on va le relever, lui. Il a glissade contrôlée, on va le relever. Je pense qu'on va quand même tenter la 4+, ici. J'ai envie de l'essayer, cette 4+. Par contre, je vais la prendre. Hein. Bon, il est sonné. C'est dommage. La 4+ ici, parce que son Croxy est pris. Donc aucun intérêt de laisser mon blitzer au contact du Croxy. J'aurais pu le laisser là et attendre qu'il tape un joueur, un des deux joueurs. Et en fait, soit il fait cerf-volant, et c'est pas mal, soit il repousse un joueur et pas l'autre. Donc il en poursuit un ou pas, donc il en scotche plus qu'un seul. Mais ici, il aurait pu taper le blitzer, l'envoyer là et rester. Ça fait que ça scotchait les deux quand même. Ok, ça c'est plutôt bon, ça tient. C'est dangereux ça, hein. Il commence par là. Il n'a pas encore replacé ses joueurs, il a un Saurus qui fait rien ici. Je suis pas fan, hein, là vous faites double et deux au sol, vous êtes vraiment en galère. Salutations script team, comment tu vas? Là évidemment, hein, j'attends qu'il fasse des erreurs, enfin des erreurs. Pas des erreurs tactiques ici, mais plus des erreurs de chance, on va dire. Si il se rate, il a plein d'une chance sur 9 potentiellement faisable. Il peut y avoir les blocages à 2D sans blocage, il peut y avoir les esquives avec esquive. Et il part de l'autre côté, d'accord. Donc ici on esquivera hein, tout à l'heure. Enfin, je suis pas sûr qu'on esquivera, on va peut-être faire un blocage à 2D contre, plutôt. Esquiver ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le seul intérêt qu'il puisse y avoir à esquiver ici... Bon déjà il me fait tomber, donc c'est pas trop mal. Ah d'accord, il va tenter de me le surfer tout de suite. avec lui là. D'accord. Ouais, bah, je l'entends, c'est plutôt bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que c'est un GFI. Et ça, j'aime pas. Pour surfer, c'est un GFI. Bon. Ça fait 2 tours magiques. Hein. Il a plus de relance. Et il vient de faire 2 tours magiques. Où il a tout réussi. Il a passé les GFI. Il a passé les blocages à 2D. Franchement, tour magique. Rien à dire là-dessus. Encore un blocage à 2D qui touche. Ok. Qui touche le bludger, évidemment, hein, tant qu'à faire. On va aller par là. 2 fois qu'il tape le bludger. Je rappelle que c'est 30% de chance de le faire tomber. 2 fois qu'il le fait tomber. Ça permet de libérer celui-là. C'est pas trop mal. Et là, j'ai quand même une esquive. Éventuellement, aller coller ici. Ça y est, là, il touche pas. Ça, c'est bon pour moi. Il relève. J'ai un 2D là. Pour libérer lui. Je le prendrai après. On va venir par là. Ok. On va taper à 2D ici. Ouais. Mon blitz c'est où? Déjà là je peux avoir un 2D. Mais il me plaît pas tant. Là je pense que je vais juste le relever. C'est un bludger, il tombera pas à chaque fois. Ça suffit hein. Pour avoir un 2D là avec blocage. Je vais rester. Ah ben voilà. Un skin comme moi on prend. Évidemment. Traumatisme crânien, il tentera pas de le sauver. C'est plutôt intéressant. Je pense que là on va taper à 2D. Et j'allais dire si on fait tomber. Mais malheureusement on n'a pas fait tomber. Je vais rester. J'allais dire si on fait tomber. On a un blitz sur lui pour libérer le garde et revenir. Et là mon blitz c'est pas aisé hein. Je peux pas me permettre là. Salutations Cadet, comment tu vas? Est-ce que je tente ça? Mais pas avant d'avoir ramené cela hein. Le problème c'est que si mon ogre se rate ici je libère tellement de monde. Non je vais pas faire ça, Est-ce que je tente un blitz à 1D sur le Croxy? Ou est-ce que je tente un blitz ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est pas trop mal. Ça c'est pas mal du tout même. Par contre on va repartir en arrière, hein, par là, là, 1, 2, là il peut taper là. On va venir par là, on va quand même taper avec l'ogre. Ah ça c'est très bon. On reste. Ouh, sac et tout. Hein. On a passé énormément d'armure. Et là on peut venir protéger le tacleur. Et ici on va rester, hein. Il faut qu'on lui scotche. On est bien je pense là. Là s'il me tape et qu'il me fait pas tomber, on va glisser là. Allez. Ouais, bah justement script team. J'espère qu'à un moment ça va aller. D'accord, il décide de venir par là, il va blitzer là, il va protéger. Ok, ça me va. Il décide d'accord. Jusque là ça me va. On va regarder comment il fait. Il vient là, il va blitzer ici, évidemment. Hein. Alors attention, hein, c'est encore le fameux une chance sur 9, mais depuis qu'il a grillé sa dernière relance, franchement, notre adversaire est sur un nuage. Est-ce que je le laisse marquer? Bah, j'ai pas envie de le laisser marquer. Pourquoi je le laisserais marquer déjà? Alors pourquoi marquer celui-là? Il va aller mieux marquer le tacleur, je pense. Parce que là, il en marque 2. Ok, ouais, pourquoi pas. Ok. Allez, petit Croxy. Un petit loupé. Tu vois, il a tenu. Script team. Oiseau de mauvais augure. Je viens là. Bon, il peut me poursuivre. Hein. Je peux venir par là. Et ça libère lui. Donc ça m'en libère pas mal. Ok, ça c'est bien. Alors ça c'est pas bon du tout, hein. Ça c'est une très très mauvaise idée. Je vous dis ça parce que en fait Châtaigne ne marche pas quand vous prenez les deux au sol. Ce qui fait qu'il va me laisser beaucoup d'opportunités ici. Là. Déjà on va blitzer là. Je pense que le blitz sur lui est indispensable, hein. Par contre, toi j'ai envie de te relever, de toute façon quoi qu'il arrive. Toi je vais pas te laisser là. Voyons, si je viens là... Un 2D là, je peux libérer lui. Ou alors je peux blitzer là. Faire 2D là, pousser là. Ça peut être pas mal aussi. Bon déjà voyons ce que ça donne ici. Parfait. Que j'ai envie de me mettre là 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauf que si je fais ça il peut marquer facile. Par contre si je viens là c'est pas mal. Ensuite lui peut venir marquer ici, c'est pas mal. Lui peut venir marquer là. C'est pas mal. Je vais lui donner des blocages, hein, évidemment. Je peux venir là. Alors là, on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je viens là, on a possibilité de taper à 2D là, en amenant lui ici. On pousse lui là. C'est assez sympa. Alors je viens là. Bon après s'il marque, ici il marque, hein, j'aurais fait la défense la mieux possible. Hein. Je vais me mettre là, donc toi tu te relèves. On va se mettre là. Obligé de faire 2 GFI mais en même temps on a encore 2 relances. Je pense que lui c'était pas une bonne idée mais c'était pour faire le push-push. On pousse lui ici. Et on reste. Et toi par contre tu peux être pas mal par là. Et là, est-ce qu'on est mieux ? Là, il va taper, mais... Là, on est bien. Parce que s'il tape sur lui, je peux glisser. S'il fait l'erreur de taper sur lui. Et pour l'instant, il n'a pas de 2D ici. C'est un seul dé. Donc, je pense qu'il aura envie de taper sur lui, peut-être. Et je vais pas taper avec l'ogre pour éviter de lui faire revenir la châtaigne. 2 fois 5 pubs. Oulala, oups. Ah, mais c'est incroyable. En fait, oulala, oups, j'ai activé un truc pour les pubs. Parce qu'il disait que si je l'activais... Il y aurait moins de pubs de pré-stream. Donc c'est ce que je voulais en fait. Mais je comprends rien à leur paramétrage. Mais je vais le virer, Ça va me gonfler donc je vais le virer. Ah, je suis désolé. C'est vraiment pas le but. Le but c'était justement de rendre le stream plus agréable. Et je vois qu'en fait ça le rend moins agréable. Non, non mais je vais le virer, du coup. D'accord, il a décidé de blitzer là. Bah YouTube, Damzou, moi je les enlève les pubs. Ah mais depuis, je vous disais, hein, depuis qu'il a plus de relance, ses tours sont magiques. Non mais magique, hein. Magique quoi. Bon ben l'ogre de toute façon, blessure sérieuse, il avait quoi l'ogre? C'est quoi blessure sérieuse? Il rate le match, ok. Ah ses tours sont magiques, depuis qu'il a plus de relance, il peut faire ce qu'il veut, il s'en fout. Il lance des 1D, des 2D, tout marche. Non mais t'es sérieux? 3+, 3+ dans des zones de tacle, de tacleur. Ouais ok, bon. Autant vous dire que il n'a pas bien joué. On va le dire, on va pas s'embêter avec ça. Moi je le dis, quand un joueur ne joue pas bien, je le dis. Donc ici par exemple, taper à un 1D sans blocage avant même de tenter d'aller marquer, c'est n'importe quoi. Donc on n'est pas face à un excellent joueur, du coup il va falloir essayer de faire le maximum pour aller chercher cette victoire. Hein. Donc là évidemment on a encore le bug, c'est pas moi qui mène à 0 mais c'est bien lui. Salutations Anisiona. Faudrait que je le calcule, Anisiona. Alors tu veux dire quoi? En utilisant toutes les... En faisant tous les jets? Ah c'est toujours un peu dommage hein. Parce que là, comme je vous le disais, notre adversaire a pas bien joué. Mais ça a été suffisant. Ça a été suffisant pour me poser problème. Bam, 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 bam. Ok. Bon, j'ai 2 relances, c'est faisable. 1, bam. 2. Tac, tac. Tac. Il va se retrouver là. Et on aura un 2D là. Là. Faut que je mette un joueur là. Ok, on va voir. On va voir si on peut. 1%, mais non. Oh, t'es sérieux. Bon, Blitz, ça va parce qu'il est beaucoup trop loin. Par contre, faudrait pas que ça réceptionne ici. 1%, non, non. Non, non, Anisiona, on n'est pas à 1%, bien sûr que non. C'est 3+, 3+. C'était 2, 3+. C'était 1, 2, 3, 2 ou 3, 3+. Là, regarde, 2, 3+ déjà. (2, 3+) c'est 44% de chance. Ouais, c'est un peu dommage. Un peu dommage parce que bah, il marque en jetant beaucoup de dés alors qu'il a plus de relance depuis 4 ou 5 tours et tout passe. Et maintenant il a un blitz qui va me poser... Enfin, qui va me poser problème. Là, là, là... Bah, pas du tout. Il va pas me poser problème, c'est encore pire que tout à l'heure. Ah, j'ai la balle. Tac, tac, tac. Il faut que je fasse un GFI ici? Non, pourquoi? Voyons. Tac, 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 tac. Si, il faut que je fasse le GFI ici. Toi, tu viens là. Bam, bam. Est-ce que je fais la transmission maintenant? Est-ce que je fais la transmission maintenant? C'est une bonne question, hein. Elle est à 4+, la transmission. Toi, tu peux venir où? Jusqu'où? Toi, tu vas peut-être venir là. C'est toi qui vas venir te coller là. Parce que là maintenant, tac, tac. Toi ici. J'ai besoin d'un joueur là. Ok. Pas que je tape de suite. Hein. Toi tu viens là. Ah, j'ai pas fait la transmission, quel débile. J'ai pas fait la transmission, je suis débile hein, en fait. Je suis débile parce que maintenant ça me donne une 4+. Ah là, j'ai été débile. Bon, ça passe, mais c'était pas une bonne idée. Allez, petit. Allez, petit. Oh, t'es sérieux, la 3+ qui rate. Mais il se sort en plus, il est KO. Comment perdre un match bêtement? Bon, pas perdu, non. On va tenter d'aller chercher un match nul. Hein. Bon, c'est comme ça, Anisiona. Hein. C'est comme ça. C'est malheureusement le jeu. Hein. Si tu commences à t'arrêter sur ce genre de choses, bah tu t'en sors pas à Blood Bowl. Hein. Ah, c'est pas un joueur qui ira bien loin, c'est comme ça. Mais une nouvelle fois, je suis assez surpris de voir des erreurs pareilles à ce niveau-là. On est quand même en platine, là. Et il fait tellement d'erreurs. Là, sa défense anti-OTTD, elle est catastrophique. Hein. Autant, je la trouvais pas terrible de base, mais autant la mettre comme il l'a mise ici, elle est encore pire. Valait mieux la laisser comme ça, parce qu'au moins là c'était une 4+, 4+, 3+. Là il m'a laissé juste une 4+, 3+. Je la rate, c'est anecdotique. Il faut pas l'oublier, c'est anecdotique. Le fait de rater la 3+, maintenant, ce sont des jets de dés. Le but c'est de voir ce que j'avais bien fait. Donc j'avais trouvé la solution pour aller pour gagner toutes les cases dont j'avais besoin. Bon, heureusement, mon receveur est revenu de KO. Son sourire, c'est pas de revenu de KO. Sur les KO, on a eu de la réussite. Ok, il décide de venir là. Je pense qu'on va blitzer, évidemment, avec le blitzer. Sur lui, là. Moins on aura de joueurs et mieux on se portera. Je pense qu'ici, on va taper à 2D. Donc j'aime bien ici l'idée que son Croxy va être bloqué. Là on aura un 2D et là on aura un 2D. La question c'est est-ce que j'ai envie de garder le garde ici? Parce que si je fais les deux au sol, je vais faire comme ça. Je tape avec le garde et je tape ici à 2D. Parce que si ici je fais les deux au sol, mon garde il reste scotché. J'ai pas envie que mon garde soit scotché là. Blitz. Bloc. Bloc on poursuit. Lui, il est là pour scotcher. Et on va voir. Allez, c'est parti. Salutations Pascal, comment tu vas? Coaching brillant. C'est pour nous. Alors là, par contre, j'aime pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On va commencer tout de suite par protéger la balle. Comme ça. On va blitzer là. Allez, tu me le couches lui. Ah, t'es sérieux. Ouais, c'est vrai que Blood Bowl peut être pénible, agaçant et frustrant. Pour la simple et bonne raison que bah, vous voyez votre adversaire faire un peu n'importe quoi, griller ses relances n'importe comment. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez. Vous, ça ne passe pas malheureusement. Ça ne passe pas, et votre adversaire sans relance s'en sort excellemment bien. On va tenter une transmission ici tout de suite. Franchement, je me sentirais plus à l'aise si c'est mon receveur qui a la balle. Et là, on va rester. Ça fait qu'il a un blocage et éventuellement un blitz. Ah, par contre, j'ai pas bien joué ici. Je lui ai laissé le blitzer là. C'est pas du tout une bonne idée. C'est évidemment pas une bonne idée. J'ai fait un peu n'importe quoi, je vous cache pas. D'accord, il préfère blitzer là. C'est plutôt une bonne idée, hein. Parce qu'il va pousser sur le Croxy. Salutations Miss Louvre, comment vas-tu? Ok. Ouais, c'est bien. Alors, c'est bien, et... oui et non. Parce qu'en fait, il va taper avec le Croxy, évidemment. Donc là, il va soit me libérer un joueur, en le poursuivant, il va me libérer l'autre, ou alors en... sans poursuivre, il va garder seulement sous contrôle celui qui l'aura pas tapé. Alors dans ces cas-là, si vous faites tomber, il vaut mieux pas poursuivre. Parce qu'avec Châtaigne, vous avez une petite chance de passer l'armure. C'est tout bénef pour vous. Là, notre but, c'est quand même de choper les skinks. Une équipe de lézards sans skink, c'est une équipe qui ne peut pas marquer. Ok, une esquive qui passe. Bon, je suis surpris de ça. Ouais, je suis vraiment pas... Ouais, je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas emballé par son jeu, vraiment pas emballé. Vous faites pas un GFI ici tout de suite, là. Pourquoi vous faites un GFI, là? Quel intérêt qu'il soit là ou là? Là, je pense que je vais tenter le 1D quand même. J'ai 3 relances, donc je vais tenter le 1D. Et je pense que je le relancerai en plus. J'avais pas spécialement envie d'apporter mon garde là. Là on est bien, donc je vais le faire, le 1D. Bah, le 1D est très bon. Je le mets là. Est-ce que je poursuis? Moi je vais le mettre là. Et je vais poursuivre. Alors c'est pas la meilleure poursuite du monde parce que je sacrifie un blitzer ici. Mais d'un autre côté... Toi tu vas venir là. D'un autre côté je scotche aussi 2 joueurs au sol. Alors, j'aurais pu ne pas poursuivre, hein, et mettre lui à la place, mais lui, j'ai bien envie de le ramener par là. Là, je vais marquer. Je vais le ramener là. Et on va rester. Non, mais Anisiona, il joue pas bien. Il joue pas bien, mais bon, une nouvelle fois, c'est pas grave. Il joue pas bien, hein. Ça arrive, hein. Vous avez des joueurs qui débutent. Mais c'est là qu'on voit, comme je le disais, la limite de la division platine. Vous avez des joueurs en platine qui, pour moi, ne sont pas au niveau platine. Mais c'est difficile à dire, parce que c'est quoi exactement le niveau platine, réellement? Parce que c'est facile de dire, il n'a pas le niveau platine. Mais comment on peut évaluer le niveau platine? C'est juste dire que c'est la bronze, argent, or, platine, la 4ème division sur 6 divisions. Non, c'est difficile à évaluer en fait, c'est ça le problème. Salutations Laz, comment tu vas? C'est très très difficile à évaluer. Ben non, le niveau platine justement, c'est pas débutant. Anisiona. Salutations Kagouins, comment tu vas? Normalement, le niveau débutant, c'est bronze, mais une nouvelle fois, tu as un joueur qui arrive sur Blood Bowl 3, mais qui est joueur de Blood Bowl depuis longtemps, il va arriver en bronze, il va survoler la division bronze. Après, tu as argent, tu as or, puis platine, diamant et enfin master. Donc là, utiliser 3 joueurs ici pour taper juste mon 3/4. Pareil, hein, je suis pas emballé quoi. Tu fais une nouvelle équipe, Anise, elle est dans la division où tu es en train de jouer actuellement. Mais maximum platine. Par exemple, tu jouais en platine au début de la saison, tu es monté en diamant, tu crées une nouvelle équipe, elle va jouer en platine. Mais par contre, tu as démarré en bronze, tu montes une équipe, tu es arrivé jusqu'en or, tu crées une nouvelle équipe, elle va démarrer en or. On va te relever. La question que je me pose ici, c'est est-ce que je vais pas blitzer ce joueur là par exemple, et si je le fais tomber j'avance. J'aime bien l'idée moi. J'aime assez l'idée. Mais si je le fais pas tomber, Bigana, il se passe quoi? Lui par exemple tu le mets là. Tu mets un joueur là, tu blitzes comme ça. Ouais, sauf que ça va pas vraiment t'apporter grand chose ici. Non, je pense que le blitz c'est encore là. Hein. Et la question c'est est-ce que je blitz à 2D ou à 3D? Pour l'instant je fais pas grand chose. Non, on va blitzer à 2D. On va blitzer à 2D, on a confiance en notre... Oh là là, mais c'est pas possible hein. Ça j'aime bien. S'il tape là, j'ai lui qui est libre. Ouais, je suis pas d'accord avec toi, Anisiona, sur le fait que tout le monde... peut atteindre platine et qu'il suffit de jouer hors Kunin justement. Ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est bon ça? Ouais, je suis pas d'accord avec toi pour la simple et bonne raison que si tu sais pas jouer en platine, tu vas commencer à normalement à rencontrer des joueurs convenables. Après, en vrai, il fait pas d'énormes erreurs. Il fait plein de petites erreurs. Il sait taper à 2D, il sait ce qu'il faut faire pour avancer, pour progresser. Voilà, il a des lacunes sur la priorisation des actions. Ça, clairement. Par exemple, taper tout à l'heure un 1D sur mon ogre pour faire un pot et ensuite aller marquer en ayant 2 esquives à faire. Ok, il blesse l'ogre, et ça c'est pas de chance. Ok, peut-être que dans sa tête il va se dire c'était ce qu'il fallait faire parce que la preuve, j'ai blessé l'ogre. Mais non, après analyse, évidemment que c'était pas du tout le jeu. Plus vous allez lancer le dé, et plus vous allez avoir une chance d'échec. Donc, forcément, ici par exemple, faire des GFI avec le Croxy, excusez-moi, mais qui a imaginé un jour que c'était une bonne idée? Et il poursuit pas. Salutations Soku, comment tu vas? Je vais te relever. J'ai bien envie de le mettre là, lui. Peut-être pas celui-là, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être lui. Est-ce que c'est pas la limite de ce système de division? Alors attention, hein, moi je me questionne. Moi je donne pas d'avis, je donne pas de conseils, je dis pas qu'il faudrait mieux faire ci, il faudrait mieux faire ça. Sincèrement, J'en suis pas du tout là. Toi, on va te laisser là plutôt. Hein, mais si on te laisse là, tu bloques le passage. Là, tu bloques le passage. Tu bloques le passage partout, toi. Tu m'énerves. On va te mettre par là, toi. Toi, on va te mettre par là. Toi, la garde, on va te mettre par ici. Toi, tu vas aller marquer celui-là. Toi, tu vas venir par là. J'ai envie de blitzer lui, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Réellement. Hein. Parce que je vais me prendre un blitz avec le châtaigne. Toi, tu vas venir par ici, là. Tu vas être bien là. Bien. Je pense que toi, tu vas blitzer là. Pas sur lui, tant pis. Hein. Blitzer là. Une nouvelle fois. Ouais, mais c'est incroyable. Hein. On va venir par ici. J'ai pas de mauvais dés, hein. Mais j'ai pas de bon dés. En fait, j'ai pas de double crâne, j'ai pas de beaucoup de turnover, mais j'ai pas de bonté en fait. Du coup, lui, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, c'était pas une bonne idée. Et là, on a un 2D. Celui-là est bon. On va le mettre là et on va rester. Ouh. Alors, l'armure est très bonne par contre. L'armure est très bonne. Ouais, il prend de la place, le Crocs Lady. Je suis d'accord, Soku, avec toi, le fait qu'ils tentent des choses, qu'ils expérimentent. En fait, on est quand même sur un format qui est très particulier. On est sur un format de ligue éternelle. Alors, ça existe sur les jeux de plateau, mais vous faites jamais plus de, allez, 15, 20 matchs si votre ligue, elle a duré toute l'année. Là, ici, 20 matchs, t'as des joueurs qui les jouent en 3-4 jours. Donc, c'est bien de tenter, c'est bien de tester, c'est bien d'essayer. Non, mais il faut arrêter. Franchement, c'est n'importe quoi, ces GFI. Non, non, mais je suis désolé. Alors, ok, ils jouent peut-être pas les arts habituellement. Je suis d'accord. Ok. Mais sincèrement, que vous jouiez les arts ou non, vous savez que la première action à faire avec votre joueur qui a châtaigne en plus, c'est certainement pas un GFI. Surtout quand il vous reste une relance. Vous avez un blocage à 2D ici, qui a plus de chances de ne pas faire turnover que le GFI ici. Il a misclick? Bah non, je pense pas, moi. Je pense pas qu'il ait misclick, hein, Damzou. Parce qu'il voulait arriver là. Pour éviter que... pour refermer, je pense, le couloir. Non, en fait, Anisiona, j'ai collé ici, mais... parce que je pensais blitzer ce skink. Et je suis revenu sur ma décision. J'aurais dû analyser avant, un peu mieux. Je suis revenu sur ma décision parce qu'il y avait le châtaigne, là. Ok. Ouais, mais Damzou, on est d'accord, mais c'est pas un misclick. Il aurait pu fermer avec un skink, mais ça n'est pas un misclick. Et là, je sais pas pourquoi il fait ça. Alors, je sais pas s'il pensait qu'il avait besoin d'un support pour avoir un 2D. D'accord, Damzou. Ah, mais tu sais bien, Damzou, on est à l'écrit, là. Donc c'est vrai qu'à l'écrit, c'est pas toujours simple de savoir... si on plaisante, si c'est vrai. Ok, là il a décidé de pas bouger le Croxy. Moi j'aime bien l'idée de blitzer sur le Croxy et d'avancer. Si je blitz sur le Croxy, il faut que je trouve le bon endroit. Voilà, on va le pousser là, le Croxy. Je pense que le blitz est là. Hop, il me faut encore deux supports. Ça, c'est un GFI. 1, 2, 3, 4. Bah, c'est pas un GFI du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais pourquoi il me dit que c'est un GFI, lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu me fais pas de GFI. Hein. Je pense que le blitz sur le Croxy est pas mal. Hop, on blitz sur le Croxy ici. On le fait tomber là, tant pis. C'est pas ce que j'ai escompté. Mais c'est pas grave, on va avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ouais, ça va être bien ça. Là, peut blitzer sur lui. Faut que je trouve une solution pour pas qu'il puisse venir trop coller mon receveur. Je pense que mettre un joueur là, c'est bien. Je pense que apporter le garde par ici, c'est bien. Coller ici, c'est pas mal. Coller là, c'est bien. Peut-être faire l'erreur de taper dans ce sens-là. Ok, le Croxy se relève. Bon, on va lui laisser un seul joueur. Hein. Je pense qu'on esquivera avec l'autre. Une 4+, qu'on relancera certainement pas. Enfin, à voir. Hein. On a encore 4 relances. On est déjà tour 14 après, donc peut-être en fait. Peut-être qu'on la relancera si on a besoin. Là, si je fais ça, c'est parce qu'en plus, il a plus de relance. Hein. S'il fait le fameux une chance sur 9, bon, ben, au moins, on ira arracher ce match nul. C'est en discussion, ce cul. Je te le dis parce que je fais partie de la discussion. Ils appellent ça le redraft. Donc, ils ont demandé aux joueurs qui jouent beaucoup leur avis. Si, il a une queue préhensile, Anis. Bah, ça sera une 4+, et si je la relance, j'ai 75% de chance de la réussir. Alors attention, hein, attention. 75% si je pars du principe que de toute façon, je ferai ma relance. Si vous lancez un dé, que vous faites un 2 par exemple, et que vous dites « Ah ben, je vais relancer parce que j'ai 75% de chance que ça marche. » Ah ben non. Maintenant que tu as déjà lancé un dé, tu es toujours à 50%. Ok, il n'a pas fait l'erreur ici. Il n'a pas encore blitzé. Il a passé l'armure. Blitzé ici alors qu'il n'a pas encore ramené les skins par exemple. Ici c'est pas mal. Toi on va te relever. Non non, toi t'es le châtaigne. Tu plaisantes ou quoi? Hop hop hop. Toi tu vas refaire faire un 3D sur le caméléon là. Depuis le temps qu'on le cherche ce 3D. Voilà, ça c'est très bien, mon petit blitzer. On peut encore avancer jusque là. Hein. On va commencer à faire des GFI malheureusement. Hein. C'est jamais drôle les GFI, mais il y a un moment il va falloir les faire. Par exemple là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, là, le GFI est pas mal, je trouve. Je vais le faire tout de suite. Ok. Et je pense qu'on va esquiver avec lui. Et je pense qu'on va relancer. On est tour 14. Donc là, si je décide de relancer quoi qu'il arrive, j'ai 75% de chance de réussir. Voilà. Le réenrôlement, c'est pas la mort des équipes KO, Inorgueil ou la Loops. En fait, le réenrôlement, c'est un peu ce qui est marqué dans le livre des règles. Hein. En gros, alors j'ai pas trop travaillé le sujet, mais en gros, ce qui va se passer avec le réenrôlement, c'est que tu vas, comment dire, au bout de tant de matchs, par exemple, au bout, on va dire, allez, quelqu'un avait nommé 20 matchs, au bout de 20 matchs, tu vas réenrôler ton équipe. C'est-à-dire que tu vas avoir de l'argent pour acheter les joueurs que tu veux garder, mais aussi les joueurs que tu veux réembaucher. Donc en gros, tu ne pourras pas réembaucher tout le monde, et les joueurs que tu veux réembaucher de ton équipe précédente vont coûter un peu plus cher. Et à chaque réenrôlement, ils coûteront encore un peu plus cher. Ok, ça je prends. Bloc, bloc. Tenter un blitz. KO Inorgueil, effectivement, c'est dur au début. Mais quand tu arrives à 1006-1007 de valeur d'équipe, c'est monstrueux. Alors ça, c'est pas une bonne idée, par exemple. Là, il fallait rester scotché. Là, il me libère deux joueurs. Sincèrement. Ah, mais la châtaigne, tu m'agaces, hein. Tu m'agaces, tu m'agaces. Parce que j'ai pas envie de blitzer là. Et d'aller temporiser là-bas. Blitz, on vient là. Blocage à 2D. Esquive. Esquive, ce qui me fait peur, c'est que si je rate une 3+, ici, je suis mal. Bon, j'ai pas raté toutes mes 3+, non plus. Mais le blitz, ici, est pas mal. Hein. Je blitz là. Je touche pas. Je vais quand même prendre le pot, hein, parce qu'il faut que je m'habitue à ça. Je reste. Je viens là. 2D. Là, j'ai un 2D. Je vais esquiver, ouais. Par contre, je vais esquiver pour faire quoi? Pour les marquer? Presque envie. Alors, je vais faire le 2D ici, pour voir ce que ça donne. Je vais le mettre là et je vais rester. Avant toute chose, je vais quand même faire un 1D ici. C'est bizarre, hein. Mais ce 1D me plaît. On va poursuivre. Ça me permet de libérer celui-là. Et je pense que je vais faire un... Je me demande si je vais pas faire un 2D là. Non, c'est un 1D, Bigada. C'est un 1D. Parce que si je fais un 1D là, je le mets là. Il est scotché. Ensuite, je fais... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'y arrive pas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Voilà, si ce que je peux faire, par contre, c'est taper à 2D ici. Ça, c'est pas mal. Mais non, ça marche pas. Ah, j'ai pas envie de faire cette esquive 3+. Elle me plaît absolument pas, mais que j'ai vraiment le choix. Je pense que j'ai pas le choix, hein. On va venir par là. Je lui laisse un 1D avec un skink. C'est un bludger, glissade contrôlée, ça me fait pas peur. J'ai encore 3 relances. C'est un risque, mais je peux me prendre un touchdown en 2 tours avec les lézards. Je viens là. Je viens là. Et franchement, ça ira. Ça ira. Ça ira pas. Esquive ici maintenant, obligé. Obligé parce que en fait, sinon il peut me faire un 2D là, avec celui-là. Il suffisait qu'il tape celui-là et s'il me faisait tomber 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un GFI. Là, je suis plutôt en sécurité, je pense. On va voir. On va voir, script team. On va voir, ça va être la surprise du chef. Mais même s'il fait un pot ici, normalement... Enfin, normalement. Je veux dire, ça va pas toujours marcher, hein. Déjà, ça va pas faire toujours un pot sur mon bludger. Et ensuite, quoi qu'il arrive, je vais tomber par ici, j'aurai peut-être une réception facile, et puis j'aurai peut-être aussi une possibilité d'aller marquer avec un autre joueur. On va voir. Là, je pense que j'aurais pas envie de tomber ici. Sauf s'il a déjà bougé son skink. Si je tombe ici et que la balle rebondit là, elle peut sortir. Là, je pense que je... Peut-être... On va voir comment il fait. On va voir ce qu'il fait. Ça va être vraiment... Ça va être très dépendant de ce qu'il va faire. Bon, mais déjà, il va pas blitzer avec son Saurus. Ça, c'est une certitude. Ok. Il tape là. D'accord. Mais après, il va blitzer avec qui? Je vois pas vraiment où est le blitz ici, en fait. Pour l'instant en tout cas, il va peut-être blitzer avec des... Ah oui d'accord si, il va se mettre là, un support, et blitzer par là. À 2D, ça demande 2 esquives 3+, blitz à 2D, plutôt pas mal fait, plutôt pas mal fait. Bon, ça pouvait pas marcher à chaque fois. Je vais me mettre là, comme ça il est obligé de me poursuivre. Et comme ça, je peux le taper avec mon châtaigne. À 3D. Et j'aurai pas d'autre jet à faire. Salutations Mac. Mais pas de soucis. Pas de soucis Mac. T'inquiète pas, il n'y avait pas de problème. Hein. Tu m'avais prévenu en plus, donc il n'y a aucun problème. Et je te le disais en plus. Hein. Sur ça, je suis plutôt fair play. Si t'es en pause ou si t'as besoin d'une pause, un truc comme ça, moi je laisse. Hein. Bon évidemment si la pause elle dure 3 quarts d'heure, au bout d'un moment je remets le jeu en marche, mais en général je me pose pas trop de questions. Salutations Fouling, comment tu vas? Ouais Fouling, alors c'était 2D sur le porteur, mais ça demandait 4 esquives. Moi je l'ai vu tout à l'heure, hein, pour aller marquer mon OTTD, je l'ai raté mon esquive 3+. Hein. Avec esquive. Hein. Au bout d'un moment, et puis en plus il y avait blitz à 2D, 30% de chance de faire tomber. C'était pas aisé encore. Hein. Donc là on va relever le garde, 3D ici. Et puis on s'arrête là. Alors on relève le garde. Parce que sinon on n'a pas de 3D. Allez! Ça c'est fou cette châtaigne. Cette châtaigne n'a absolument rien fait. Si elle a fait une sortie, pardon. Elle a fait une sortie sur un skink, elle a fait une commotion. Mais franchement, je préfère largement qu'elle me fasse 3 ou 4 KO, voire plusieurs sonnets, qu'une commotion de tout match. Alors, est-ce que notre adversaire sait faire les OTTD? Il a que 2 skinks, mais on va partir du principe qu'il sait les faire. Il n'a pas de relance. J'y crois pas trop. Hein. Vraiment, j'y crois pas trop. Mais bon, il n'a pas de relance. Après, il faut pas qu'il gagne un tour. S'il gagne un tour, on est mal. Parce qu'il va partir comme un tabanard par ici. Et on aura du mal à le rattraper, voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si je peux. Je peux le rattraper quoi qu'il arrive. Peut-être... ouais, lui ici, lui bouge vite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça me va. Ouais, on va faire comme ça. Eh bien écoute Mac, je crois que notre match arrive sur YouTube ce soir à 20 h. Alors je te dis ça parce que c'est souvent plus agréable à écouter ou à regarder sur YouTube parce que je le monte. Donc il y a des coupures, toute la partie où on ne parle pas, où il se passe rien, où il n'y a pas un joueur qui bouge. Mais en fait je le coupe. Ouais, les tabanards c'est dur à rattraper. Ah, il va se barrer comme un tabanard, c'est clair. Hein. On va se mettre comme ça. Après sur mon OTTD je fais une erreur. Déjà je fais une erreur. Je dois faire la transmission avant de faire l'esquive pour transmission. Pour la simple et bonne raison que pour la transmission c'est une 4+. Mais avec réception. Alors que pour l'esquive c'était une 4+ aussi à cause de la queue préhensile. Mais sans esquive. Donc ça m'utilisait une relance si je la ratais. Ça sait rien faire, Fouling, je suis pas d'accord. Hein. Quand tu les joues bien, ça joue bien, hein, les lézards. Hein. Après, dès que ça commence à avoir un ou deux bloqueurs, hein, c'est monstrueux. Alors, un ou deux bloqueurs, évidemment. Hein. Il est où son skink? Il est là. Il va tenter le TTD, apparemment, ce que je vous disais. Bon, en vrai, j'y crois pas trop. Hein. Il n'a pas de relance. S'il le met, moi le TTD c'est toujours du beau jeu. Donc je suis prêt à le prendre. Ouais là je me suis pas super bien placé. Je me suis pas super bien placé. Ok. Ouais ce que je vous disais déjà il y a... Ah coup de pied haut par contre ça m'arrange pas. Coup de pied haut ça demande un ramassage en moins s'il la réceptionne sur 4+ direct. Bon ça va. Il y a un ramassage quoi qu'il arrive, il y a une transmission quoi qu'il arrive, il y aura des GFI quoi qu'il arrive, des blitz à 2D quoi qu'il arrive. Donc là il va taper comme ça. Comme ça, il met là, il tape, pop, il va pour pousser là. Ouais, déjà il a les flèches, hein, ça c'est plutôt bien pour lui. Je suis très mal placé en TOTTD là, je suis très mal placé, j'ai fait n'importe quoi. Donc maintenant 2D ici, il doit prendre 3 cases. Donc il faut qu'il ait des flèches, non c'est 3D maintenant je pense. 4, 5, 6, ah non non, j'ai un contre-support, non non c'est 2D ici. Ce sont bien 2D. Il est obligé de... Non, il n'est pas obligé de faire ça. Pourquoi il vient là? Par contre, j'ai l'impression qu'il va s'appuyer sur son croxy à un moment, non? Non, peut-être pas. Lui et lui. Ok, bon, c'est terminé. Il n'y aura pas d'OTTD. C'est réglé. En plus, il a déjà blitzé, donc il n'a plus de blocage. Donc c'est fini. Il y a une agression, tour 16. On va voir si c'est un amateur du beau jeu ou pas. Bon, match nul, c'est dommage. Hein. Match nul, c'est un peu dommage. Oh, bonjour, monsieur 404 not found. Sois le bienvenu. Oh, c'est cool. Ah ben, ça fait plaisir de l'entendre, ça. Mister... 404, j'aime bien, erreur 404. Donc, j'aime bien dire si le résultat me convient ou non. Ici, le résultat me convient pas. Le résultat me convient pas parce que je pense que je défends pas trop mal sur son attaque, même s'il y a peut-être quelques petites erreurs, mais le placement est pas trop mauvais. Il aurait pu y avoir pire hein, comme placement. Mais en fait, ouais, le match nul me convient pas plus que ça. Mais on va le prendre, on va le prendre. Voyons, il était à combien? Bah c'est lui qui gagne des points parce qu'il était moins bien classé que nous. On va pouvoir regarder ses statistiques d'ailleurs. Je sais pas si on peut le voir là. Donc team, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup pour l'abonnement, monsieur 404. C'est très plaisant. Alors d'ailleurs, tant que j'y suis et que j'y pense, pour ceux qui prennent un abonnement ou qui offrent un abonnement à partir de hier, je crois... jusqu'à, je crois, la fin du mois, mais je suis pas sûr à 100% de la date finale. Vous avez 3 mois de Apple TV offert. Sur Apple TV, j'ai vu des trucs très bien. J'ai vu The Servant, la série de Shyamalan, qui est pas mal du tout. Donc ouais, je vous disais, non, le match nul, en fait, je prends le match nul parce que à partir du moment où j'ai pris un touchdown en première mi-temps et que je passe pas mon OTTD, je me dis qu'il faut que j'aille chercher au moins un nul. Le nul, on voit, j'ai un peu de mal parce que bah, c'est solide, hein. Les arts, c'est solide. On va faire une aléatoire sur un humain. Sur un humain de ligne. Oh, bien. Ça, c'est super. Une aléatoire qui donne lutte, on est toujours content de le prendre. Alors, pourquoi je fais des aléatoires? À la base, j'en fais quelques-unes sur les humains de ligne. En tout cas, souvent sur les trois quarts de beaucoup d'équipes. Parce qu'on peut les jeter, les racheter, les jeter, les racheter. Mais surtout, sur cette saison, comme il y a beaucoup de grosses équipes qui ont fait beaucoup d'aléatoires, si on veut rivaliser un petit peu quand on va monter en valeur d'équipe, je suis obligé d'essayer d'avoir des joueurs convenables à moindre prix.